Affreville de Claire Tansin, extrait 2. Mais il y a ce que mon père a raconté à la caméra. Maigre butin de guerre à partager en chuchotant entre camarades mis aux arrêts. On l'écoute. T'as jamais eu l'occasion de tirer avec ton arme? Pas spécialement. Même si j'ai tué, je m'en souviens pas. J'ai pu avoir tué, j'en sais rien. Mais il y en avait assez d'autres acharnés, des tueurs, des vrais tueurs, des gangsters, des tueurs. Des gendarmes? On avait un juteux-chef, il était friand de ça. Et alors? Il partait avec un peloton de 10-15 et y ramenait des arabes pour l'interrogatoire. Après 3 jours qu'il les avait passés à la Gégène, qu'il les avait matraqués, esquintés, il pouvait plus les remettre à l'air libre. Le soir, il s'en allait en commando avec une vingtaine d'arabes. Tac, 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 à la mitraillette. Ça s'appelait pas la corvée de bois? Oui, c'est ça, la corvée de bois. Et toi, tu y allais pas? C'était pas mon travail, c'est tout.